à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je sais, faut que je me dépêche parce qu'il est 11h moins le quart et je dois aller à la poste parce que les colis partent à 11h30 à la poste le samedi matin. On a passé un peu une nuit de merde. Il y a eu deux gros orages, mais genre des orages comme j'ai jamais entendu de ma vie. J'avais l'impression que la foudre elle s'abattait sur la maison, c'était un truc de malade. Du coup, je n'ai pas trop dormi cette nuit. J'étais un peu... Je reste un peu les yeux ouverts toute la nuit quoi. Donc bref, je suis même pas maquillée, rien du tout. Je suis en tenue de sport parce que j'ose espérer que je vais faire du sport aujourd'hui. Là je file à la poste et puis après je vous reprends. Qu'est-ce que c'est ça? Des macaras sur les œufs. Des macaras œufs? Ou des maracas? Des maracas. La Reine des Neiges est toujours parmi nous. Hein. Allez, au dodo. Tu choisis un livre? On va peut-être enlever la robe pour faire de dos, chérie. Bon, alors va dans ton lit. Oui. Maman va te lire l'histoire. Et je regarde. Tiens. Regarde quand c'est doux. C'est tout doux à la cape. Ça va pas être du tout être confortable, ça, pour faire de dos. Mais maman... Après, on va la mettre au sale, de toute façon. Parce que là, t'as fait plein de tâches. On va la mettre au sale, ta robe, après, quand tu sautes, tu te lèves. Mon parfum, je sais pas où il est. Non, c'est pas grave, on va le retrouver. L'homme qui essaie de se faire pardonner de s'être levé à 13h ce matin. Moi je suis en train de bosser. Je n'ai pas arrêté une seconde depuis ce matin et il s'est levé un peu tard, j'avoue. Et du coup, il a voulu se faire pardonner. Nuggets vegan et petite salade qui a l'air excellente. Ça, c'est du fromage qu'on avait ramené de la bergerie. C'est un espèce de fromage de brebis qui ressemble un peu à de la mozza, feta mozza. C'est trop trop bon. On se retrouve en fin d'après-midi. Il est 17h54. J'ai encore bossé toute la journée. Hop, j'entends Ella. T'es où mon amour? Dans le bain? Bébé. Elle m'appelle bébé. Il y a Gaëlle et moi qui sont en train de communiquer. T'es où mon chat? T'es dans le bain? Avec qui? Avec papa? C'est qui? Ton papa d'amour. Et là, elle a passé l'après-midi avec son papa. Regardez, ils ont dormi sur le canapé. Ils ont regardé des dessins animés. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Moi, je fais une pause là. Une pause bien méritée. Une pause calante en famille. Bon, tout le monde est parti. Mais on était trois. Et je vais faire manger là. Je pense que mes parents vont manger avec moi. Nico va chez Bib, parce que Bib est tout seul là ce week-end. Ils vont regarder un match de... De boxe, voilà. Et puis après, je vais remonter bosser. Il faut que j'avance. La sortie de la collection, c'est deux pots de colle. T'as un petit pot de colle, toi. T'as un petit pot de colle. Est-ce que votre chien, vous aussi, quand vous le regardez, il fait toujours semblant de trembler comme ça? Genre, je suis un chien persécuté, ma vie est trop dure. C'est un acteur, mon chien. Il a peur de l'orage. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est toujours le même vlog. Je suis fatiguée. Bon, c'est Pâques, ça y est. Regardez comme elle est trop belle comme ça. On a fait les 13. Tourne ta tête. Maman, tourne. Regarde là-bas. J'ai fait les tresses qui commencent bien hautes comme ça. C'est trop joli. J'ai mis la petite robe, etc. Bon alors, il fait pas beau dehors, donc on sait pas où vont passer les cloches. On sait pas si elles vont passer dehors ou dedans. Est-ce qu'il pleut, il pleut pas, on sait pas. Donc je vais essayer de les appeler pour voir. Pourquoi il faut que j'appelle les cloches? T'as dit hop. Pourquoi je dois les appeler? Parce que t'es sage? Oui. C'est qui l'amour de ma vie? On va y aller avec les cloches maintenant. Oh, on va avoir les cloches maintenant. Mais tu es trop jolie.
Bon, j'en connais une qui est prête pour aller au jardin. Il paraît que les cloches vont bientôt passer, donc on va y aller, je crois. Hein. T'es prête? Hein, t'es prête? Bon, moi j'ai un look de bretonne aujourd'hui, parce qu'il pleuviote de temps en temps, donc on a mis les caouets, les bottes, on a pris le joli panier pour ramasser les œufs, puis on va aller au jardin de Babo. Ici. Il faut attendre Popo et Nani Dan. Papa et Babo, ils sont partis en avance et nous, on va venir après. Les cloches, elles sont passées. Oh, et là? Ouais. Tu crois que les cloches, elles sont passées? Et là, tu crois que les cloches, elles sont passées? Oui. Oh, il y en a pas loin. Ton panier? Oh là, il faut qu'on regarde alors, on va chercher. Pourquoi les cloches sont passées? Vite, vite, on faut y aller voir. Oh. Allez, viens bébé, on va chercher les œufs. Ici? Oui. Non. Pas du tout. Il y en a pas là? C'est quoi ça là-bas? Là-bas au fond? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Pas l'ouvrir. Non, pas l'ouvrir maintenant, il faut en chercher d'autres. Il doit y en avoir plein dans le jardin. Tiens, on le met dans le panier. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est un lapinot. Un petit lapinot? Oh, tu veux que je l'attrape? Oui. Oh, faut le mettre dans les paniers. Hein. Vas-y. Does the moon not know? It needs the sun to shine, illuminating all its melancholy sadness down upon us all. Does the rain not know? It needs the sun to shine, evaporating all the little droplets to the sky. Time, time, time's not on our side. I was hoping you won't mind if I hang around, 'cause time, time, time is all we have, and it's never going to last, you know. You and me were fine, fine. I'm glad you're by my side, watching sun and moon collide in an August morning sky. Does the sun not know? It could not outshine the beauty in your eyes. I guess it knows not to try. Does the wind not know? No. It could never blow away the way I feel. I know it now. I know it's only time, time, time is on my mind. I'm glad you're by my side, watching sun and moon collide. On va juste récupérer le cadeau. Ah, mais il est déjà cassé, tu vois, c'est parti. Hop, pour le chocolat, on le garde pour après. Là, elle a ouvert un Kinder, mais juste pour prendre le jouet dedans. Parce qu'elle a déjà mangé plein de chocolat. On va manger, et là, ce midi. Après, on va manger le chocolat. Non, mais d'abord, qu'est-ce qu'on va manger? Naniden, elle a fait quoi? Elle a fait le poulet rôti. Le poulet rôti? Enfin, le rôti. Le rôti. Elle a dit, Nanidan, est-ce que tu fais un repas... C'est quoi qu'elle t'a dit? Un repas de Pâques. Nanidan, tu fais un repas de Pâques. Un repas de Pâques. L'agneau, là. Mmh. Ou une recette de Pâques, elle t'a dit, je crois. Une recette de Pâques. Voilà. Je sais que tu as peur quand on fait la fête. Tu dis merci les cloches. On a une corde à sauter dans un de ses œufs. Elle est ravie. Et pourquoi il y a... Je voulais une cloche. Mais oui, t'en voulais une et les cloches, elles t'en ont apporté une, t'as vu, dans l'œuf. Vous pensez que les cloches, elles ont pas un peu abusé? Et elle a déjà ouvert 3 Kinder Surprise, Maxi Kinder Surprise comme ça. Il y a tout le village qui a commandé des chocolats pour les cloches dès là. Maman,
On va être obligé de donner à tous les enfants qu'on voit. Tu sais que maman, quand elle était petite, c'était son truc préféré. Elle allait à l'école avec des poissons et elle les collait sur les gens. Et elle adorait coller des poissons sur Nanny Dan et Popo. Et moi, avant que Nanny Dan ait partout au travail. Pourquoi? Parce que c'était trop rigolo. J'adorais ça. Bon, on a tous dormi cet après-midi. Sieste de Pâques. Et là, elle fait les poissons. Et je vous ai pas dit, mon père a lancé sa chaîne YouTube. Regardez-la, viens voir Flappy. C'est bon, Flappy. Pourquoi? Regarde ce qu'il a, Flappy. Regarde, Flappy, ce qu'il a. Ah, il a un poisson des Pâques. Il est content, regarde, il est content d'avoir un poisson de Pâques. Ça l'éclate en plus. L'idée c'est de l'enlever, il arrive pas. Mon père a ouvert sa chaîne YouTube sur son métier en fait. Hein. Il fait de la production musicale et il fait des tutos en anglais sous-titrés en français. Donc pour ceux que ça intéresse, qui sont un peu du métier, qui veulent apprendre à mixer, qui sont DJ, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. De toute façon, il y aura toujours le lien dans la barre d'infos. Bon, je vous retrouve à 19h. On a fait une grosse crise du ménage. Mais une grosse, wow. High level. Bon, on dirait pas hein, parce que là, elle vient de remettre tout le bordel là. Mais on a nettoyé la maison de fond en comble, de A à Z, de la porte d'entrée jusqu'au fin fond de notre chambre. Et toute la terrasse, j'ai. Et là, regardez là, en train d'aller voler du chocolat. Oh j'ai nettoyé toute la maison en bois qu'il y a dehors. Une espèce de musique là de son jeu vidéo. Et Nico, j'en veux plus, ça fait 3 heures qu'elle tourne en boucle. Sa maison en bois, je l'ai balayée, aspirée et entièrement lessivée de A à Z aussi. Donc là, elle est en train de sécher. Regardez, hop. Voilà, d'ici demain, tout sera sec, je pourrai remettre ces deux petites chaises dedans. Tout notre mobilier de jardin, il a complètement rouillé. On l'a repeint l'année dernière, hein. Serge nous l'avait repeint. En espèce de lavande, mais là, vu qu'il reste dehors l'hiver, ça rouille, donc on va changer de salon de jardin. Faut qu'on nettoie toute la terrasse, qu'on jette le transat parce que le chien l'a cassé. Voilà, demain je vais m'occuper de la terrasse. Ensuite, j'ai ma collection qui sort ce soir, là, dans une heure et demie. Et je j'ai pas réalisé jusqu'à présent parce que je suis tellement occupée que j'ai pas eu le temps de stresser, mais je commence à stresser, ça y est. Donc voilà, là on est crevé, on va monter, je pense qu'on va manger chez mon beau-père les restes de midi, etc. Moi je pense même pas que je vais manger, je me suis gavée de chocolat toute la journée, j'ai mal au foie. Bon, c'est comme à chaque Pâques, j'ai un gros problème avec le chocolat, comme ma fille. Bon, la collection est lancée, ça a été un peu la course hein, parce qu'on a fait le ménage à la maison à fond. Après on a fait le ménage chez Serge parce que Serge, il est, je sais pas si je vous l'ai dit, il est en arrêt de travail depuis 2 semaines, 3 semaines. C'est complètement bloqué le dos, accident de travail. Et il doit passer un scanner cette semaine, il va peut-être se faire opérer du dos. Enfin, c'est vraiment, et là il ne peut plus du tout bouger. Donc du coup on lui a fait le ménage avec Nico. Après j'ai lancé la collection. Merci beaucoup pour votre accueil sur la collection. Comme d'habitude c'est ouf. À chaque fois on a peur, à chaque fois on se dit ça va peut-être pas plaire et tout. Ouais, je vais manger un mini lapin de litre. Mais à chaque fois l'accueil il est dingue et on est trop contente et on a trop hâte de faire aussi la grosse collection pour la rentrée avec des produits pour tout le monde. Là c'était plus axé enfant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que on n'a pas trop on n'avait pas trop de temps pour bosser dessus, mais là on va vraiment faire un truc trop bien pour la rentrée. Enfin, je suis trop contente. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui ont passé commande et à tous ceux qui sont allés voir, qui m'ont donné leur avis, qui ont regardé la vidéo. Merci beaucoup. Bref, là je suis habillée en sport comme vous pouvez le voir. Et je vais faire mon elliptique. D'abord je vais manger ça et après je vais faire mon elliptique. Ça veut rien dire, mais ça me fera du bien.